Inde. Ouais, cool. Bref, du coup là, on va passer directement au cadeau puisque on a déjà dîné. C'était trop bon d'ailleurs. On a dîné dans un restaurant pas loin de chez nous, donc c'était trop trop bon. Moi, magnifique. Maintenant, il est temps d'ouvrir les cadeaux. On a attendu ça depuis super longtemps. Tu dois lire ça d'abord. Les chips. Tu dois lire ça. Tu dois lire ça. Alors. Ouais. C'est pas trop mignon pour lire. Surtout, c'est toi. C'est toi, surtout. C'est toi. L'édition collector du volume 31 de My Hero Academia parce que ça va compléter ta belle collection de mangas. J'espérais vraiment que tu ne l'achètes pas entre temps. Franchement, j'avais trop peur. Non, je pense que c'est My Hero Academia Smash. Alors, numéro 3. Un t-shirt pour le meilleur papa qui fait les cheveux. Ah, vous, ça te fait rire. Mon dieu. Tu le mettras, hein. Ouais, ouais, c'est ça. En plus, j'ai pris bien XXL. Regardez, c'est Shoto. Mais Shoto, il est perturbé. C'est toi. Mais c'est pas lui. Mais si, c'est lui. Quand il était vraiment gros. Et bien sûr, des chips. Attends, lis. Une boîte entière de chips et snacks du monde entier parce qu'on adore la bouffe et que ça a toujours été notre grand point commun de manger et tester la nourriture ensemble. Du coup, il refuse. Non, mais t'es pas obligé de faire ça. Après, on a des Cheetos. Aviat. Des bœufs. Bourguignon. Non, c'est pas pour toi. Des Cheetos. Jalapenos. C'est pas pour toi, Choto. Non, c'est à moi. Des Lays. Ce bouet. Teriyaki, ok. Des Lays. Strong and hot. Parce que voilà. Hein. Les riz, c'est elle qui a choisi. Ça, ça c'est ma. Mais attends, attends, regarde, c'est des riz ou quoi. Mais. C'est des riz aux chips, wesh. C'est bizarre, hein. Des riz aux chips. Non, c'est bon. C'est Raph, il a goûté. Oui, et des poki. Ça, c'est elle qui a choisi. Oui, bien sûr. Lis le dernier. Et enfin, un Japan Food Tour sur Paris avec No Diet Club pour le samedi 27 août. Et c'était complet jusqu'en août. Mais tant mieux, comme ça, on profitera à mon retour. On a toujours voulu faire un vrai food tour et s'empiffrer dans de bons restos. Donc, j'ai choisi le Japon parce que c'est surtout grâce à toi que je me suis passionné pour ce pays et cette culture depuis qu'on est ensemble. Voilà. Attends, c'est pas un peu le meilleur cadeau, franchement, je suis trop forte, non? Non, c'est pas moi. Moi, j'ai des chips, c'est pas toi. Mais on partage, t'inquiète. Je t'en donnerai. Ça filme toujours? Ouais. Alors, déjà, petit emballage mignon, tu vois, parce que... Ouais, j'avoue. Voilà. Alors, c'est très drôle parce que ce que tu m'as acheté, j'ai pris exactement la même chose. J'ai exactement fait les mêmes trucs. Alors, 1984... Le volume 3. Ah, trop bien. Merci. Ce n'est pas très original. Mais ouais. Non, mais c'est cool. C'est bien. Comme ça, au moins, ils sont tous ensemble. Du coup, tu m'as offert un livre. Je vais t'offrir un livre. J'avoue. T'as vu? Mais chacun son livre. C'est fou, ça. Hein. Parce que mais tu m'as offert un t-shirt. Mais c'est pas vrai. Un t-shirt. Mais non, mais moi, c'est quand même un t-shirt que Niclo. Tu... C'est un t-shirt qu'elle peut mettre, tu vois. Trop bien. Tu montres pas, toi. Et Shoto. Statue colossale, portrait de Isa, nanani, nanana. Parce que c'est... Trop bien. Parce que t'as plus de t-shirt. Ouais, de ouf. Graphique. J'adore. Mais toi, tu pourrais mettre aussi le meilleur papa de Shoto. Parce que un t-shirt, c'est pas beaucoup, donc... Deux t-shirts. Mais merci. Ça, c'est taille M. J'adore. En plus, je voulais vraiment... Tu sais que j'allais commander et tout, hein. Parce que tu pars en voyage avec Shoto. Et parce que je n'ai pas fait de truc BTS encore pour l'instant. Du coup, tu as une trousse de toilette BTS. Mais trop mignon, wesh. Waouh, petit 21. On dirait que un truc de collège. À l'hôtel. On dirait un truc de collégien, c'est trop mims. C'est bon. Merci. Et le quatrième cadeau. Bah oui, des fleurs. Merci. Merci. Et attends. Hein? Et le dernier. C'est quoi? C'est un faux billet? Non! Les concerts Candlelight combinent magie, expérience musicale, multisensorielle en direct et beauté architecturale dans les lieux à couper le souffle et utilisés pour la première fois à cette fin à Paris. Achète tes billets dès maintenant et découvre la musique de BTS au cabaret sauvage. Je vais te éclairer par la lumière réconfortante des bougies. C'est trop mignon! Programme: Dynamite, Butter, Boy of Love, Fake Love, My Universe, DNA, Love Goes On, Permission to Dance, Quick Day, Black Swan, I Need You, Save Me, Pied Piper, Butterfly. Artiste: Quatuor à cordes. Oh, c'est trop mignon! Trop bien! Waouh, Shoto, tes parents, hein, franchement, 5 cadeaux chacun!
que d'aventures en plein milieu de Bussy-Saint-Georges pour aller à notre hôtel, n'est-ce pas, Ant? Yes, voilà. Donc là, on est paumé. On vient d'arriver à l'hôtel pour notre petit staycation. C'est parti pour un mini room tour. Là, vraiment, pour le coup, on est au Paxton Hotel, juste à côté de Disney. Enfin, juste à côté, on est à Bussy-Saint-Georges. Mais c'est vraiment super mims. En vrai, c'est pas mal. C'est pas mal. On a une baignoire. Bon, les toilettes. Un énorme lit. Un en tout cas très chaud. Mais surtout, un très, très grand lit. Une télé. Un miroir. Et tout cet espace. Genre, ah oui, il y a une cuisine aussi. Bon, comme si on allait trop s'en servir, mais... Voilà! Voilà notre jeu. Devinez qui c'est la gamine qui a gagné. Eh, c'est moi! J'ai gagné 2048! Wouhou! Voilà notre dîner en amoureux pour nos 5 ans. Oui, parce que je vous ai pas expliqué en fait, mais on est là pour nos 5 ans. Et là, c'est un throwback au McDonald's, sauf que c'est un glow-up du McDonald's. Voilà, on va manger, on va trop se régaler, j'ai trop la dalle. Mmh. Ant qui me fait découvrir des trucs là. Bonjour. On a super bien dormi et là on va aller prendre le petit déjeuner à l'hôtel et ensuite on va aller à Disneyland. Oui, c'est la première fois depuis qu'on est ensemble, depuis nos 5 ans qu'on va aller à Disneyland ensemble. Je suis déjà allée à Disneyland avec ma sœur, je suis déjà allée à Disneyland avec ma copine Manon, je suis déjà allée à Disneyland avec pas mal de copines et tout ça, mais jamais avec Ant, et lui il n'y est pas retourné depuis très longtemps. Donc ce sera l'occasion de fêter nos 5 ans là-bas. Voilà, on va passer la journée là-bas et ça va être trop cool. Et merci à Stéphanie d'ailleurs, notre copine Steph, parce qu'elle nous fait entrer à Disney gratuitement. Voilà, on le dit comme ça, on a trop de chance. C'est parti. Tu te sens bien? T'es content? Ok, lui là.
enfin, le Roi Lion. Bon bah voilà, la journée à Disney se termine, on est bien rentré à la maison avec Hunt, on a passé une superbe journée, on s'est trop bien amusé, on a vraiment kiffé toutes les attractions qu'on a faites et surtout le spectacle du Roi Lion aussi, c'était génial. Franchement j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, il y a eu beaucoup de choses, genre depuis la Suisse jusqu'à nos 5 ans ici et enfin là à Disney, le spa, tout ça. Bref c'était trop cool. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce et surtout de partager, de commenter, de me dire d'ailleurs quelle est vous votre attraction préférée à Disneyland si vous avez déjà pu y être. Et puis sinon bah voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.